Venez, je vous accompagne. Bien. D'habitude, ce genre de demande doit obligatoirement passer par un musée. Je sais. Monsieur Ridmore m'a dit qu'il ne se lancerait pas dans de nouvelles fouilles avec la guerre qui menace. Je travaille sur des sites de fouilles depuis que je suis en âge de tenir une truelle. Mon père m'a tout appris. Qu'est-ce donc, selon vous? C'est probablement un cimetière très ancien. Viking. Peut-être même antérieur. Monsieur Brown est archéologue. Je suis plus un fouineur. Vous êtes là pour fouiller les monticules, c'est ça? Vous croyez qu'il y a une chambre là-dessous? Qui sont ces gens qui arrivent? Ils travaillent pour le musée. Dieu du ciel! Madame Pretty, je vous suggère de m'accompagner sur le champ. Pourquoi ils ont enterré un bateau ici? Cela devait sans doute être un homme important, un chef de guerre ou un roi. Il y en a plein d'autres, partout! La guerre est imminente et nous avons besoin de toutes les ressources disponibles pour finir avant qu'elle n'éclate. Le haut Moyen-Âge se révèle enfin à nous. Tout le monde va vouloir se l'approprier, mais c'est ta découverte. Pourquoi est-ce que tu es le seul à barboter dans la poussière alors que le pays se prépare à la guerre? Parce que c'est important pour l'avenir. Depuis la première empreinte de main trouvée dans une caverne, nous faisons tous partie d'une formidable continuité. La vie est affreusement courte. Je le sais aujourd'hui. Voulez-vous dîner avec moi? Oui. Il faut savoir en profiter. Un homme peut passer sa vie entière à creuser la terre sans trouver un centième de ce que j'ai découvert ici. Le vaisseau est stable, Monsieur Brown. On va traverser l'atmosphère. Vous vouliez que je fouille ce tertre? Alors je vais m'exécuter.